Alors attention, je sais pas pourquoi il a affiché. Pourquoi c'est aussi grand là? Ouais, je sais, petit cancanou, tu vas disparaître. Étrangement, parce que nous allons passer à Untouchables Game, qui est grosso modo comment foutre la merde en étant une oie. Ce qui va être cool à voir. Eh bien, c'était dur hein, aujourd'hui. C'était vachement dur, je trouve. En fait, j'ai pas compris comment on a pu avoir aussi peu de malchance sur l'attaque spécifique de la base au moment où. Au moment où. Où on est censé justement pouvoir s'en sortir. Ouais, loi, mais en fait ça m'a rendu ouf la dernière fois. J'étais trop à donf. Et du coup je parlais plus. Enfin je parlais plus. Déjà un je parlais plus. Et en plus, ce qui est trop marrant, c'est que. c'est que je baf... Enfin pas que je bafouillais, mais que je parlais très fort. Très très bas. Avec le smile et tout. Et du coup, des bisous. Des bisous, des bisous, des petits cœurs pour petit cancanou. Et à tout de suite pour jouer à notre super partie. Enfin, à tout de suite, à dans 1 heure et demie. Pour jouer. Et du coup, on va commencer du coup Untouchables Game que le Nibbler n'avait pas vu. Et du coup, on continue la sauvegarde de la dernière fois. On était arrivé du côté du jardin des différents voisins. Alors, je pense que c'est un moment où ça va devenir un peu plus complexe parce qu'il faut gérer les deux en même temps, je crois. Voilà. Tu as vu en replay. N'hésitez pas à aller voir les replays, comme dit Nibbler. Alors, appuyez sur X pour cacarder. Donc, on regarde. Voilà. C'est là où on en est. Il y a plusieurs petits détails. C'est déjà, on part de l'extérieur, on pousse un peu, on casse tout, et on fait le beau. Hein. On n'oublie pas, on va lui défoncer la tête. Tu vas me taper, tu vas me taper, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et hop! Ni vu ni connu! Je sais plus comment on court. Comment on court déjà? Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est ça. Ça y est, j'ai trouvé. Je suis caché. Splinter Cell. Splinter Cell de loi. L'enfermement de la marchande. Tout ça, tout ça. Bah ouais, l'enfermement de la marchande, c'était magnifique. La loupe, indeed. Voilà. Et donc, nous sommes une oie maintenant. Qui fumons la pipe. Alors du coup, on va regarder ce qu'on devait faire. Faire en sorte que quelqu'un casse le vase. Aider la femme à habiller le buste. Faire en sorte que l'homme crache son thé. Se mettre un ruban. Faire en sorte que l'homme se déchausse. Laver le linge. Utiliser ce qui suit. Donc il faut laver tout le linge. Mais vu que je suis commissaire loi Maigret, maintenant, il faut que je le force à se déchausser. Donc on va lui faire... La misère, quoi. Il m'a coincé dans le mur. Hein. Ha. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et regarde. Viens chercher ta pipe. Viens. Viens. Elle est dans l'eau maintenant. Elle est dans l'eau maintenant, tu vas te déchausser, t'inquiète pas, hein. On est là pour ça. Hein. Voilà, bonjour. Vous connaissez ce petit magazine où il y a une oie avec. Ou un petit canard, du moins, avec un journal. Vous connaissez ce petit logo? Moi je le connais, ça s'appelle le canard enchaîné. Voilà, va chercher, tu vas faire quoi? Voilà. Et tu vas devoir enlever tes chaussures. Non, t'enlèves pas des chaussures? Je peux te les enlever si tu veux. Je t'ai bugué? Je t'ai bugué? Qu'est-ce qui se passe? Regarde.
Je fais loi méchante. Je fais loi méchante. Faut que j'arrête. Hein. Et je l'ai rendu fou. Pauvre petit homme. Allez, on prend le thé. La pipe! Comment ça se fait? Mouillé, mouillé, hein. Mais toute ta maison va se retrouver dans l'eau, mec, hein. T'as cru quoi? Que j'étais une oie sympa? la discrétion de l'oie. Je suis discret, hein. Et le chapeau! Et voilà. Ouais, t'as un petit problème, hein. Attention, maintenant, il manque plus que la tasse. Hop. Les lunettes, c'est vrai. Les lunettes. Toujours les lunettes. Les lunettes, c'est le béaba. Oh, je l'ai pas eu. Mince. Bon, on va essayer de le faire sérieusement. Donc. Alors, je crois qu'on peut dézoomer. Ouais, on peut dézoomer comme ça. Je crois qu'on peut pas passer de l'autre côté sans passer par le trou dans la clôture. Regardons un peu comment il se déplace. Je pense que ça va nous servir. Toujours admirer les espèces dans leur meilleur endroit. Voilà, donc maintenant je suis caché, tel Assassin's Creed. Personne ne me voit. Déplacement. Succinct. Je sais pas comment dire. Bref. Mais il va chercher vraiment toutes ses affaires. Hein. Il est motivé. Hein. Mais il sait pas à quel point j'ai égayé sa journée. Hein. Le nombre de fois où il s'est trempé les chaussures, il les enlève pas. C'est incroyable. Mais tu sais que c'est des chaussons. Hein. Tu peux les enlever. Hein. Je pense que c'est mouillé. Tu devrais les enlever même, je conseille. Bon. Je sais pas ce que t'en penses, un nibbler, pour l'instant. Eh, mais j'ai pas changé, si. J'ai pas changé Twitch. Vous me dites pas, hein. Comment qu'on fait, déjà? C'est Tito, Tito. Regarde. Tito. Voilà, on joue pas à survivaliste, là, actuellement. Alors. Je vais le faire à la main. Tableau de bord. Vous pouvez le faire aussi, les modos, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Gérer le stream. Modifier les infos. Et on passe à Untitled. Goose Game. Bah ouais, hein, faut se renseigner, hein. Le mec insupportable. En fait, il y a une appel de commande. Alors, c'est Twitch. Donc, c'est des commandes Twitch. Et tu peux changer directement là. Mais maintenant, c'est bon. Normalement, c'est fait. Ça devrait se montrer là sur Wizbot. Après, je sais pas exactement, tu vois, genre, comment ça s'appelle en termes de. En termes de. Comment? Je connais Tittle pour savoir quel est le titre. Je connais Uptime pour savoir quel est le temps de live, par exemple. D'ailleurs, ah oui, c'est parce que j'ai mal écrit. Uptime. Voilà. Et le nombre de messages aussi. Ce qui est peu. Ah, moi tout seul, j'en fais 390 sur le live de Petit Crocodile. Bonjour. Je ne suis qu'une oie. Mais je suis une oie qui fait. T'as craché ou t'as pas craché? Faut que tu craches, mec. Donc je vais me mettre derrière. Vas-y, bois. Ça va marcher. En plus, il me voit pas. C'est magnifique. Tout était prévu. du coup. Comment on va faire? Pour enlever ses chaussures, c'est facile. Par contre, est-ce qu'on le déchausse les deux? Je sais pas. Le mieux, ce serait de transvaser les chaussures de ce monsieur. Bonjour, je suis une oie. Hein.
vous inquiétez pas, je suis là que pour faire le beau. Hop. Ni vu ni connu. On va... Allez, hop. On se barre. Ah, mince, on est en prison. Hop. Et le deuxième. Non, mais tu peux te poser, hein, tranquille. Je ne suis qu'une oie. Je peux prendre la deuxième ou pas? Comment faire pour prendre la deuxième? C'est... Alors... Arrête de croiser les mains. Les jambes. Oui. Croise dans l'autre sens. Croise dans l'autre sens. Regarde. Oui. Chi, 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 chi. Et voilà, c'est validé. Alors, on a validé ça. Faire en sorte que l'arme crache son thé. Alors ça, pour l'instant, c'est pas le cas. On va pas réussir à le faire tout de suite, je pense. On va aller là. Chose qu'on avait déjà faite la dernière fois. On va prendre son soutif. Et on va se barrer avec. Je sais pas ce qu'on va faire avec, hein, mais... Ah oui, il faut que, faut qu'elle déguise le... Alors, il y a une statue qu'il faut déguiser. Donc, du coup, voilà. Est-ce que tu peux déguiser ta statue avec ton soutif et tes chaussettes? Non? C'est ça le buste. Mais comment on va faire pour pouvoir le déguiser ça? J'ai du mal à voir. Est-ce que je peux pousser ça? Non. Bon. Et qu'est-ce que... Il y a quelque chose ici? Ouh là là! J'ai rien fait. Alors attention. C'est ici que ça va jouer. Quand il boit son thé, je peux le faire cracher. Il faut qu'il boive son thé aussi, hein, parce que là, on est mal parti. C'est pas moi du tout qui ai cassé le truc, hein. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Et voilà! Ni vu ni connu! Je vais y arriver. Ah, j'ai failli m'enfuir avec le vase. Ça va, t'as juste craché ton thé, ça va, tranquille. T'as retrouvé ta chaussure, n'empêche. Bien joué. Faut que je me débarrasse de ça. Je suis coincé. Bon, reste ici. Faut que je remplace cette bestiole. Vite! Et voilà! Quel beau gosse! Et on va choper le vase. T'aimes pas les beaux oiseaux, hein? En fait, je vois pas à quel moment elle l'attrape, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où je... En fait, c'est à ce moment-là où je peux lui faire casser. Parce qu'on est d'accord, on peut se taper là. Comment je peux lui faire casser le truc?
On va mettre ça juste à côté. Peut-être que c'est... J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Bon, on va essayer de traverser pour voir si en traversant, il y a quelqu'un qui casse. Parce que lui, il pourrait le casser, mais je sais pas comment. Non? Mais non! Pas mon ruban! C'est mon ruban! Compliqué. Aider la femme à habiller le buste. Mais comment tu veux que je l'aide? J'ai pas l'impression qu'elle est là pour habiller. Faire en sorte que quelqu'un casse le vase précieux, je sais pas trop comment faire non plus. Et laver le linge. Alors laver le linge, ce qui est bien, c'est que du coup il faut trouver juste la machine à laver. Alors du coup. Ah! Bah elle a cassé! Tu l'as cassé comment? Comment ça s'est passé sinon? Tu veux me raconter un replay? Nibbler, t'as vu? Je sais même pas comment elle a fait. Je l'ai mis par terre et elle a cassé toute seule. Où est la machine à laver du coup? C'est où la machine à laver? Faut que je... Est-ce que vous pensez que... Attends. On va faire un tour parce que c'est possible qu'il faut que je sorte d'ici. Attends, déjà on va se libérer un peu de place là. Et on va essayer de voir si il faut que j'aille jusqu'à l'eau. Ah, peut-être qu'il faut que je mette dans le truc au mec. Bah laver le. Ouais, c'est possible. On va essayer. On va mettre dans la fontaine. Genre soutif, chaussettes. C'est parti. Faut juste qu'elle ait pas le temps de fermer le truc en fait. Ah c'est dommage hein, que t'aies cassé le vase, mais je sais pas comment t'as fait. Hein. J'étais toute seule en plus. Hein. Après je comprends, hein, c'est compliqué la vie. Et c'est comme ça qu'on s'enfuit. Tu n'as rien vu. Tu n'as pas vu une oie bizarre avec un soutif. Tu n'as rien vu. De toute façon, tu n'as pas tes lunettes. Allez, c'est parti. J'espère que c'est ça, on l'avait. Hein. Oh, il va me courser. Oh là 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 là. S'il te plaît, trouve pas le soutif. C'est pas à toi, hein. Laisse-moi laver les choses. Sors de ma mare! Sors de ma mare, s'il te plaît. Mais non! Mais non! En plus, tu vas rendre ça? Pourquoi? Ou tu vas garder? Telle la personne que tu es. Tu vas expliquer. Comment tu vas expliquer que tu as récupéré le soutif de la dame à côté? Laisse-moi le faire. Voilà. On va boire. En fait, il faut un peu les traumatiser jusqu'au bout. Hein. Faut un peu leur forcer un peu la main. Hein. Ah, elle a réparé. C'était mieux comme passage. C'est plus simple. C'est ça ou pas? Je sais pas. En fait, le truc, c'est que je sais pas s'il faut passer par là pour pouvoir laver. Je sais. Je regarde un peu partout. J'ai pas l'impression que c'est par là, hein.
Hubler, t'as une idée? Comment on lave? On va taper le mec avec ça. Tu vas voir. Pas se relever. Mais il a vraiment trouvé tout. Oh, il me fatigue. Tu pouvais pas laisser les choses? Oh là là. On va faire un tour. Parce qu'en fait, ça peut être dans la mare aussi, parce qu'il y a une mare juste à côté. Mais là, par exemple, c'est un puits. On lave rien dans ce puits. Par contre, il y a peut-être un lavoir par là. Après, c'est un lavoir. C'est fermé. C'est fermé. Est-ce que je peux passer par là? Non. Là, je peux descendre. Je peux tomber. Mais j'ai pas de carte. Donc, du coup, il faudrait que je revienne. Bon. On verra. On continue. Je sais que j'ai ouvert une porte aussi la dernière fois, en bas. Avec ce fabuleux ruban bleu. Que j'avais laissé. Et du coup, là on est un peu loin. Je sais pas si c'est la suite par là. Genre. Des bouffes dans l'eau. Ouais, c'est possible. Ça, c'est pas un lavoir, ça, c'est une écluse. Et c'est fermé là-haut. Donc on peut pas passer par là. C'est pas le bon côté. Donc c'est pas là. On continue en bas. On va voir. Peut-être qu'il faudrait que je passe par un autre endroit d'abord. Ok, messieurs, dames, bonjour. Et là, on revient au début, je crois. Là où j'ai traumatisé le fermier. Avec son pique-nique. Oui, exact. Ça, c'était le début. Désolé pour les zooms, hein, mais j'essaye de capter où je suis. Donc là, on a débloqué grâce au fait d'avoir avancé. Hop. Est-ce que du coup, il faudrait pas utiliser genre toutes les maps qu'on a déjà débloquées? Et qu'il faudrait que je passe genre dans le garage de la marchande, parce que je crois que j'ai vu une machine à laver là-bas. Mais je ne sais plus. On va checker. Alors, bonjour monsieur. Est-ce que vous avez été bully aujourd'hui? Voilà. Au revoir. Bonjour madame. Je ne fais que passer. Eh bien non. Il n'y a rien. Je ne vois rien. Peut-être qu'on peut ouvrir la porte, mais je suis pas sûr. J'ai pas l'impression. Ok. Et du coup, à côté, il y avait bah, la poubelle, les Tokiwoki, qui nous ont servi à rien. Les Tokiwoki, d'ailleurs. Et on revient ici. On revient ici. C'est-à-dire avec le premier niveau, entre guillemets, donc le premier jardin. Qui est donc le jardin du monsieur. Bon. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, remettons-nous en cachette. Et observons. Donc, aider la femme à habiller le buste. Je sais pas comment on va faire. Utilisez ce qui suit. Un soutien-gorge, une paire de chaussettes, un pantalon et un morceau de savon. Ah, une pantoufle. Faut prendre la pantoufle aussi. Une paire de chaussettes. Il faut laver le linge. Il faut que je trouve le savon du coup. Le savon, il est où? Attends, je vais chercher du savon, 2 minutes. D'abord, on va prendre le savon, on va le mettre dans l'eau. Excusez-moi, bonjour. Connaissez-vous... Il y a un savon où? Où est le savon? Je sais pas du tout. Ah si, bah de chez la marchande en fait. Faut aller chez la marchande, faut aller chercher le savon de la marchande. J'imagine que c'est ça. Hein. Faut aller chercher le savon de la marchande. Il doit y avoir un savon dans son atelier là. Pas dans son atelier mais dans. Et du coup il faut faire plein de trucs là. Faut que j'aille chercher ça. Que je carotte la pantoufle, que j'emmène très loin.
Et du coup, qu'il puisse pas la ramener déjà. Parce que ça, c'est important aussi. Ça, c'est pas du savon, ça. C'est un... Non. Je pense que le savon, il est sur son truc, là. Excusez-moi, bonjour? Oui, continue, continue, tranquille. Ok. Là, le savon, il doit être là. C'est un savon, ça? Je sais même pas. Je crois que c'était un truc, genre, agressif. C'est pas un savon, ça. T'as pas du savon, monsieur? Je vais aller regarder du côté du fermier, peut-être qu'il a un savon. Mais en fait, je suis assuré que c'est pas... On va pas chercher aussi loin. Oui, mais ça, on a déjà tout fait. Là. Ok. Tu n'as pas de savon. Non. 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 Ah, il a pas ouvert le jardin, donc du coup, c'est fermé. On va lui carotter une carotte en passant. Carotter une carotte. Et voilà, ni vu ni connu. Ah, j'ai ouvert ici. Je suis loi qui vole les carottes. Je fais un don à mon Dieu. Le puits. Prends cette carotte. Alors, où est le savon? Parce que je ne sais pas. Où est le savon? Il faudrait que je crée du savon, que je récupère de la graisse et tout. Bon, la pantoufle, elle est facile à prendre. Le savon, je sais pas où il est. Là, il n'y a pas de savon ici, mais je pense qu'on peut utiliser ça comme lavoir. Ça peut être pas mal, ça. Hop. Donc là, il y a un cisaille. Donc ça, on s'en fiche. Nous, on a besoin de ça, déjà. Donc on va se barrer avec le soutif. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est pas vraiment obscur ni do it yourself. Par contre, c'est un peu. En fait, faut que tu captes comment tu fais. Là, par exemple, l'histoire du savon, je sais pas trop. Je sais pas trop où chercher le savon. Je t'ai pillé ta chaussette, hein, mais y a pas de problème. T'inquiète. Mais va appeler ton voisin. Attends, je passe. Non, mais je. T'as cru que ça allait se passer comment, wesh? Ah! On en est à là. Allez, elle va couper le truc. Ah! Elle est occupée, là. En faisant ça, ça l'occupe. Ça, c'est bien, ça. Bon, allez, on se casse. Ah, mais il est là, le savon! Bah oui, bien sûr, la baignoire. C'est pas comme si une oie qui avait les ailes ouvertes, ça faisait 2 mètres d'envergure. Ou 1 mètre. Remarque, peut-être 1 mètre. Allez, on va nettoyer déjà ça. Ça. Hop. Voilà, déjà on a une chaussette. Il manque quoi? Une chaussette, une paire de chaussettes, une pantoufle. Il manque une paire. Tu peux rien faire de toute façon. Tu peux rien faire du tout. Rien. Rien faire. Et je vais attendre pour aller chercher la pantoufle parce que je sais qu'il va démarrer au quart de tour, le voisin. Tu vas faire quoi? Ha. Elle est où l'autre? Il y a déjà la paire de chaussettes? Ah non, j'ai abandonné la chaussette en haut. Ah, attends. Excusez-moi, bonjour. C'est juste pour vous réveiller, monsieur. Vous étiez en train de dormir. Oui, voilà. Mais non, descends pas! Je préfère ça. Ni vu ni connu, hein, j'allais te dire. Regarde. Oui, c'est moi, clairement. Regarde. Je vais tout embêter. Hop.
Ha, nul vu ni connu. Vas-y, coupe ton arbuste là. Hop, la paire de chaussettes, c'est bon. Non, mais t'inquiète, on est là juste pour tranquille. T'as vu? Il l'a même pas senti! Waouh! Magnifique! On a lavé le linge. Et ouais, c'est comme ça qu'on avance. Faire en sorte que quelqu'un taille le. Bah, on vient de le faire. Regarde. Le beau rosier. Ça, c'est un rosier, non? C'est de l'autre côté. Il a écrit interdit aux oies, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Oh, c'est interdit. C'est plus une haie. Ouais, c'est plus une haie, oui. Je confirme. Le savon, c'est bon. Alors, habiller le buste, je vois pas comment on va faire. Sachant qu'en. Ah, mais si! Avec le chapeau du monsieur. Monsieur, vous avez perdu votre chapeau! Ha 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 ha! Je suis parti de l'autre côté! Tu vas faire quoi? Allez, viens! Regarde, hop! J'ai fait un don à la communauté. Vas-y! Sur le buste. Et voilà! Et voilà! Il est habillé! C'est beau. Mais faut pas lui mettre que ça, du coup. La dame garde les vêtements. Hein. Elle garde les vêtements. On va lui mettre les lunettes aussi. Faire un don à la communauté. Il est en train de tailler son rosier, lui, ou qu'est-ce qui se passe? Ah, il est en train de récupérer les trucs. Ok. Salut! Bonjour, ce sont tes lunettes! Oui, indeed! Non mais. T'as cru que ça allait se passer comme ça? Tu t'es vraiment pris pour quelqu'un que tu pensais être! Aïe. Eh, j'ai mis du bon côté! Attends. Les lunettes étaient du bon côté, je vous ai foutu dans la merde. Voilà, mets-lui ça aussi. Donc là déjà l'habillement c'est bon. Couper le rosier, je sais pas trop comment il va faire. Ah si, il faut peut-être que juste je passe le coupe-coupe de l'autre côté. Bon, on va faire ça. Allez, hop. Non mais t'inquiète, hein. C'est juste pour que tu coupes. Mais tu vas pas. Je te permets pas, hein. Comment ça tu m'agresses avec ton couteau? Va couper ton rosier. Ah mais... Il est chiant lui. T'as toujours balancé les choses de l'autre côté. T'inquiète pas, on va retrouver ton truc, hein. Mais il a lancé où? Ah, il est là. Finalement, il m'a aidé. J'ai rien dit. Parce que c'est un peu lourd comme truc, hein. Oh là là. Allez, on passe de l'autre côté. Et voilà. Si c'est pas lui, c'est moi qui vais faire. Bon, je sais pas s'il va l'utiliser, hein, du coup, mais. Parce que je... Ah oui, c'est ça. En fait, il faut que je déplace ça. Ah. Et que je laisse la fille couper et foirer. Et donc, du coup, il faudrait que je lui refile le truc. Allez, attends. Monsieur, j'ai trouvé ça. C'est un peu dangereux. Et j'ai pas du tout bougé votre rosier, hein, je vous rassure. On va un peu abîmer son truc. Wow. Non mais t'inquiète. On va couper. On va couper. Pauvre dadame. Pauvre monsieur. Ils sont traumatisés par une oie quand même.
plus, le pire, c'est que je peux pas m'empêcher de faire une bêtise. C'est compliqué, hein. Presque. En fait, j'imagine bien, soit c'est avec le bruit de la cloche, soit c'est avec le fait que je cancarde. Parce que là c'est bon. Là c'est bon. Presque. Peut-être qu'elle le fait naturellement. Oui! Est-ce que t'as des... Oui! Il est déguisé, mais quel hipster! Il manque quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait lui ramener? De l'autre monsieur. Monsieur, vous avez l'air un peu perdu. Est-ce que votre pipe vous l'a donnée? Je demande comme ça, hein, mais je la prends en fait. Voilà. Ouais. Oh! Oh mon Dieu! Voilà, traumatisé, traumatisé. Viens voir ta rose, qu'on rigole. Est-ce qu'elle va lui donner du coup ou pas? Si, si. C'est bon. On a fini ici, madame. Désolé, hein. Mais nous, on n'aime pas trop votre propagande anti-war ici. C'est pas le bon quartier. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tu comprends maintenant un peu plus ou pas, Nibbler, quand je te disais que je vais un peu vite, en fait. Mais faut pas hésiter à me dire hein, si je vais trop vite. Je suis un peu bourrinos avec les gens. Parce que je me permets, hein, je suis noir. Mais là, je suis censé avoir d'autres trucs, mais je sais pas ce que ça peut être. Ah bah tiens, si, ça est ouvert. Ah bah salut, hein! Salut, hein! On va jouer, nous. On va faire un peu de badminton. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait un accent bizarre. No cool avec tes commentaires, hein, tu vois. Je me disais aussi, je me posais la question. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est genre. À quoi ça sert d'être une oie si on peut pas foutre la merde? Voilà. Ça, c'est exactement mon style de jeu. La traversée de la maison. Oh mon Dieu. Elle est adorable. Bon, allez. Nous, on est FedEx, hein. Vous connaissez Colissimo, vous savez comment ça se passe avec vos colis. Donc du coup, on va ouvrir ici. Du coup, vous savez ce qui va se dérouler avec ce colis, hein, bien entendu. Hein. Vous allez forcément le retrouver quelque part, dans la mare, quelque part. Bon allez, hop, ça c'est bon. On s'est débarrassé du colis. J'imagine que c'était ça le premier truc à faire. C'était donc ça. Eh oui, c'est les oies en folie. Bon. Trêve de bavardage. C'est où? Je pense qu'on n'a pas encore débloqué le troisième niveau. Parce que là, on peut avancer. On s'est débarrassé du colis. Mais j'imagine qu'en fait, il fallait pas s'en débarrasser, il fallait le livrer, mais bon. Je reviens en arrière pour voir, vite fait. C'est ici qu'on est arrivé. Là, c'est la maison de la dame. Ah! Livrons cette carte postale. Loi factrice. C'est par là, hein, j'imagine. Ah, bah oui! Le camion de la poste. Alors, attendez. Il faut faire ça, les choses bien. Donc, le colis. Est-ce qu'il faut le mettre ici aussi? Faire tomber le vieil homme sur les fesses, obtenir une fleur en récompense. Obtenir le petit bateau. Casser la cible. Entrer dans le pub. Voler une chope vide. Mettre la table. Ah, du coup, il n'y a rien avec le. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire ici. À moins que ce soit une pub honteuse pour VLC. Bon, on va rentrer dans le pub, et je pense que ça va être par là.
Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Metal Gear Solid, tu connais? Elle m'a pas vu, elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu. Elle va pas me voir, hein. Au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Ah, ça marche! Ah, j'étais sûr! J'étais sûr! Oh là 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 là! Et voilà! C'est comme ça qu'on rentre! Si vous avez déjà joué à Metal Gear Solid ou à Hitman, vous savez que ça marche toujours. Tu crois qu'elle va me jeter en l'air si je continue? Ah, j'en peux plus. J'adore, l'idée est trop bien. Bon, bah salut, hein! Vas-y, casse-toi de la boîte, wesh. Ah, c'est bon. Eh, salut, hein. Je suis caché, de toute façon. Voilà, c'était une boîte vide. Donc, alors, on va déplacer ça. Allez, hop. Casse les assiettes. On pose l'assiette ici. Donne-moi à manger. Voilà. Donc là, déjà, on est prêt. Il va nous donner à manger à un moment donné. Je sais pas si on a ça dans les trucs, mais voilà. Ah. Alors, il faut passer le... Ah, donc il y a un truc à faire. Faire tomber le vieil homme sur les fesses. Casser la cible. Obtenir le petit bateau. Voler une chope vide et la jeter dans le canal. Ça, c'est facile. Obtenir une fleur en récompense. Ça, je sais pas. Faire tomber le vieil homme sur les fesses. Donc ça, on verra. Mettre la table. Ah bah, on va mettre la table. On a déjà l'assiette. Alors, j'imagine que la table, c'est ici. Ça c'est fait. Ah! C'est un petit passage ici. J'avais pas vu. Il y a de la tasse en haut. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'être là. Hein. Bon. On va quand même y aller comme si c'était chez nous. Bonjour! Je viens prendre une tasse. Au revoir. Je sais pas si on a besoin d'une tasse, mais au cas où, hein. Si t'as besoin de quelque chose, je fais à manger ici. C'est une chope, ça. Ah, mais c'est ça la chope vide. Ah, elle s'est cassée. Couteau, fourchette, poivre, bougie. Ok, faut juste prendre ça. On a cassé une chope et celle-ci, c'était ça qu'il fallait mettre dans l'eau. Salut, excusez-moi, hein, je vous dérange un peu. Pas le cendrier? On doit pas prendre le cendrier? Allez hop, dans le canal. Ah ciao, bon dimanche, hein. Petite ref. Le canal, il doit être par là. Non, il est pas là. Excusez-moi. Ah lui, il faut le faire tomber dans l'eau. Ok. Faut le faire tomber. Tout court. Oh le pauvre, il va se casser le dos. Ah mais non! Je me suis cogné! Bon. Je cherche une chope vide. Voilà. Excusez-moi. Hein. Ah, j'ai vu une fourchette. Attendez. Non, mais ça, on n'a pas besoin. Mais on a... Je suis occupé, laisse-moi faire. Je suis occupé. Voilà. Tu connais pas l'agressivité des oies? Pourquoi tu essaies de me chasser là? Ah, je suis pas d'accord avec votre histoire, monsieur. Regardez. Je suis tellement pas d'accord que... Hop, tu vas faire quoi si je te... Attends, laisse-moi monter dedans! C'est l'enfer!
Ah, je n'ose à peine imaginer. Il y a des... Moi, j'ai énormément peur des oies. Il y a plein de gens qui ont peur des oies. J'ose à peine imaginer le... T'as une oie comme ça, c'est pas possible, en fait. C'est juste pas possible. Je suis insupportable, déjà, en oie. Alors, imaginez une... en vrai, quoi. C'est très compliqué. Très, très compliqué. J'imagine que ça, c'est un truc en plus. On va devoir réparer la voiture. Donc, on va utiliser ça. Et on va devoir réparer ça. Hop. Ni vu ni connu. Hop. Je suis caché, j'ai juste mis ma tête dedans. Attendez. Hein. Ah ouais, non, mais je pense qu'il y a plus personne qui viendra chercher, quoi. Elle est archi agressive. Mais après, c'est rigolo parce que, en fait, le jeu est tellement mignon, tellement doux. Tu vois, il y a tellement de trucs où t'as envie juste de faire oh, c'est mignon et tout, que en fait, jouer une oie horrible, c'est le minimum que tu peux faire pour contrecarrer ça. Et c'est vachement bien. Je trouve que c'est vachement intéressant. Il est 17h10, je regardais là, 19. Bon, on va re-rentrer, on va finir notre table. Mais je savais pas que les habitués étaient un peu vénères comme ça. On va la laisser partir tranquille. Ah, mais je crois que je peux utiliser l'harmonica avec mon quinquin. Bon, salut, hein! Comment t'as fermé la porte? Pars! Voilà, salut! On va chercher de quoi nous faire. Mais il n'y a plus de pinte, mince. Comment faire? Comment faire? Il n'y a plus de pinte. Déjà, on va prendre ça. On va passer par en haut pour voir s'il y a des pintes là-bas. Ça, c'est compliqué, ça. Alors. Ah! Elle est où? Allez, vite, 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 vite. Je peux passer en dessous, là? Oui, je suis une oie, c'est normal. Allez, hop, on a la fourchette. Tant qu'on se fait pas cramer par elle, ça va. Donc, on a l'assiette. Voilà. Fourchette, poivre, couteau et bougie. Bon, le poivre, il est à un seul endroit, de toute façon. Par contre, ça m'embête l'histoire des pintes. Je les ai cassées toutes les deux. Oui, non, mais il n'y a pas de poivre ici, madame, voyons. Pourquoi vous dites qu'il y a du poivre? Il n'y en a pas. Regardez. C'est un service tout à fait honorable, hein, ce que vous faites. Salut! Vous n'avez pas vu une oie avec du poivre et en train de se faire à manger, s'il vous plaît. Je m'en vais. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça me servira, mais ça peut me servir. Ça aussi. Je pense que ça peut me servir à un moment. Mais bon, on verra après. Là, on peut passer par en haut. Ah, intéressant. Je peux pousser ou pas? Non. Du coup, il nous faut le couteau et la bougie. Et après, c'est fini. T'imagines que tout le monde a l'habitude de faire une pancarte pour les oies, et spécifiquement. Tiens, il y a un couteau là. Non, c'est une fourchette. Même pas tu me chopes. Même pas tu me chopes. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je suis en dessous. Ah, la dernière chope, elle est là. Ok, on en avait trois. Maintenant, je suis une oie armée, cachée sous les tables. Qui va faire quoi? La dangerosité de cette oie est incroyable. Ces réseaux. Ces réseaux. Et voilà! Parce que le midi, on est bleu. Alors attends, bougie maintenant.
Parce qu'il faut quand même qu'on se fasse un peu plaisir. Un peu la bougie. Hop, ni vu ni connu. Elle est où l'autre? Elle est là. Youp là! Ni vu ni connu. Caché sous la table. Ça donne énormément soif en fait de faire de l'ASMR. Hop, la bougie. La bougie. La bougie. Hop. Et voilà. Que demande le peuple? Bon, on n'a pas vraiment mis la table. Attends. Voilà. La joie du noix. La joie du noix. Vous voyez ça? C'est la joie du noix. Regardez. Et voilà. En plus, on pouvait. Alors, je viens de remarquer, mais on pouvait mettre la table par ici. C'était mieux fait, hein. Trop mimes. Et ouais. Alors, par contre, on va se balader avec le couteau maintenant. Hein, parce que. On est une loi agressive, donc on va garder ça. Je vais un peu boire. Je sais plus où j'ai foutu l'eau. Ah si, c'est là. Voilà. Donc regardez. Donc ça, c'est un humain. On va le poursuivre comme ça, avec le couteau, bien entendu. Ça vous va, hein? De toute façon, vous êtes team RP ou agressive, hein? Alors du coup, il faut qu'on fasse. Je pense qu'on va faire flipper le petit vieux avec comme ça, juste comme ça. Combat! Combat! Chic, chic, chic! Ah non, mais trop bien! Ha! Ha! Coup de poignard! Aïe 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 aïe. Ah oui, il faut lui enlever sa chaise. Attends. Attends, 2 minutes. Voilà. Laisse-moi passer, je passe derrière. Adieu le petit bébé. Tu es tombé sur tes fesses. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je suis armé. Tu vas faire quoi? Hi. Attention, on va faire un peu de musique. On va se battre déjà avec lui. Voilà, hop, ni vu ni connu. Et on prend son harmonica. Hop. Bon. Tu veux pas prendre l'harmonica? Lâche l'harmonica. Lâche l'harmonica, je te dis. Il n'y a rien qui se passe. Oh là là. Pourquoi elle est choquée, elle? T'as jamais vu une oie avec une arme? Tu vas faire quoi? Alors attends, je vais prendre cette fleur. Donne-moi une fleur. Regarde, je vais faire la belle. Je vais faire le beau. Voilà. C'est juste, je vous fais du vent, mesdames. Hein. Ah oui, faut que je baisse la tête. Attendez, attendez. Ça, je sais faire. Ça, je peux pas faire. Merci. Maintenant, je suis pour la paix. Attends, Pépé, donne-moi juste ton. Excusez-moi, monsieur, je ne fais que passer. Je ne suis qu'une jolie petite oie. Ah, attendez. J'aime beaucoup votre musique, mais il faut faire quelque chose avec votre musique. Non, casser la cible, obtenir le petit bateau. Ok, on va casser la cible. Elle est là, la cible. On va la casser. Comment qu'on fait?
attendez, on va embarquer cette petite fleur et on va la ramener sur notre petite table. Mais laisse-moi passer, c'est ma fleur. C'est ma table. Voilà. Et maintenant, maintenant on est dans une belle dans un beau petit déj ou un beau petit déjeuner, un beau déjeuner plutôt. Voilà. Ça c'est beau. Et maintenant, on va faire la photo. Vous êtes prêts? Est trop heureuse. Il n'y a plus de couteau. Il n'y a plus de couteau parce que je l'ai utilisé. Du coup, voilà. C'est pas grave, hein. Alors la chope, ça va être très compliqué. On va devoir le faire tranquille, à la Splinter Cell. J'espère qu'on va jouer un peu. J'aimerais bien jouer à Splinter Cell en live. Parce que ça me fait gaulerie, le je t'ai pas vu dans le noir, etc. Ça me fait toujours rire. Vous avez dû remarquer que j'aime bien être dans la subtilité grâce à cette voix. Vous voyez que la subtilité de la cachette. Même pas tu me vois là. On est d'accord? Ok. 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 Faut que j'aille jusqu'au canal comme ça. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Je sais pas trop comment je vais sortir. Sachant qu'en plus on peut la casser facilement. Comment on peut sortir? Ah oui, je peux courir devant le mec, mais il va pas me pousser. Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir plus simplement en fait? Non. Ouais, on court devant. Allez, 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 allez. Mais non! Pépé! Tu fais quoi? C'était la dernière chope! C'est pas possible, hein. Mon Dieu, on était à deux doigts d'y aller. On était juste à côté. C'est à cause de toi. Tiens, je vais t'hameçonner, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. Pas cool, Pépé, hein. Je re-rentre, pour la peine. Voilà. T'es garde du corps de quoi? La sécu, hein. La sécu, hein. Fais ton travail, s'il te plaît, merci. Bon, comment faire? Est-ce qu'elle a ramené des trucs? Oh, les shops, elles sont là-bas aussi. Non, mais c'est pas des shops, ça. Il n'y a plus de shops, c'est fini, là. Comment on fait? Je dois reprendre mon couteau. Oh là là, là, mon Dieu. Comment on va faire? Elle met pas, elle remet pas de chope en haut. C'était la dernière et Pépé il a cassé. Ah non, elle est revenue. Comment on va faire pour s'occuper de Pépé là? Parce qu'il m'énerve. Ah attendez, je dézoome. J'ai zoomé, mais j'aurais dû dézoomer. J'aurais dû lui enlever sa serviette à la dame. Je pense que sans sa serviette, elle peut rien faire. Donc du coup, courir devant, ça fonctionne pas trop. Il faudrait que je trouve une technique un peu infaillible pour pouvoir me débarrasser de lui. Est-ce que je peux poser ça là? Voilà. Comment je vais pouvoir faire? En fait, le mieux, c'est que je me fais jeter. Salut, je fais que passer. Voilà, merci. Et je lui casse sa voiture. Je suis sûr que c'est sa voiture. On va lui péter ses roues là. On peut rien faire. Ah mais il est parti, lui, c'est, lui. Mais la chope aussi, elle est partie. Et Pépé, il est parti aussi. Allez, hop. Allez, 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 allez. Allez, on dépasse les 35 mètres. Il va poser la balle. Et voilà, et le canal. C'est une blague. C'est une blague. C'était de l'autre côté. Ah j'en peux plus. Tout ça, c'est à cause de Pépé. Mon Dieu. Oh non. Vite, allons chercher le truc. Haha. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis en dessous.
Et ouais. Il y a toute une technique hein, pour pouvoir vous retrouver. Et la chope, elle est où? Ramène-la, la chope! Nouvelle chope. Le poivre, il a disparu aussi, pépé. Bon, allez, c'est reparti pour pouvoir faire refaire une course. Ah non, mais non, mais s'il y a mémé en plus qui se met. Ok. On est safe. On est safe. Pour l'instant, on est safe. Alors, on va essayer de voir si on peut traverser le truc tranquillement, sans qu'il y ait trop de problèmes. Parce que le PP, il a l'air d'être un peu complexe. On a réussi à faire un presque perfect. Il est 17h30. Dans une demi-heure, il faut que je sois prêt à jouer un personnage totalement différent de cette fois. Il est là. En fait, faut que je le. Je sais pas comment. Pourquoi il se retourne? Je sais pas pourquoi il se retourne. Elle arrive à bien me gérer, hein. Et maintenant, t'en as deux, tu vas faire quoi? Maintenant, avec ces deux tomates là par terre. T'as pas le time, t'as pas le time, t'as pas le time. C'est parti. Voilà, ni vu ni connu. Il était toujours là-bas, il était perdu. Et maintenant, c'est le bon côté. Et voilà. Et moi aussi, je suis tombé d'ailleurs. C'était beau. Quelle histoire. Casser la cible, obtenir le petit bateau. Alors le petit bateau, je ne l'ai pas vu. Et je ne sais pas comment on va y arriver. Mais on va y arriver. Le petit bateau. Est-ce que ça pourrait être un petit bateau fait en papier? Je vous pose la question. Ah, il y a toujours mon don de carotte au dieu des puits, là. C'est marrant. Ça veut dire que ça, c'est resté. Bon. Le petit bateau, on aura besoin de ça, je pense. Le petit bateau. Comment on va faire pour avoir le petit bateau? Je me doutais pas que t'allais faire ça. Ça m'a fait bien rire. Alors, comment on va voir le petit bateau? Donc là, on a fait les beaux, le beau, la belle. On va devoir regarder le PP, hein, je pense. Parce qu'il joue au truc. Je danse, je danse, la bonne musique. Avec cette chaise, si je casse pas le truc. C'est bon, Pépé, t'as pas besoin de ton harmonica. Regarde. Et hop, je m'enfuis. Alors maintenant, on va essayer de faire de la musique de ce côté-là. Bon.
sais pas comment on va faire pour faire le petit bateau. Hein. En tout cas, il y a le seau d'eau là-haut, il a l'air pas mal. Et il me tente bien. Alors, on va essayer de voir avec Pépé qu'est-ce qu'il fait. Il va par là. Il peut ouvrir la porte. Tu peux pas casser le truc? Ouais, harmonie quoi, exactement. Pépé. Comment qu'on fait? Bon, allez, on va monter, on va voir. Ah, il y a des lattes qui sont cassées là. Ça veut dire que je peux m'en faire par là? Salut? Je suis au milieu. T'inquiète. Je suis caché. Ok. Et du coup, là, je peux partir par là? Non. Un jour, vous mourrez, mais pas aujourd'hui. Comment on fait pour le petit bateau? Ah, mais si, c'est là. Il est dedans. Faut que ça coule, je pense, tout le temps. C'est bon, tu vas pas pouvoir me voir. Hein. Purée, on va pas pouvoir le choper. Ouh là là! Ouh là là! On va y arriver. Non, presque. Oui. Il est tombé. Super. Ok, c'est bon. On reste ici. Il est tombé. On a fait la base. Parce que je pense pas qu'elle va ramasser. Tu me vois pas. Voilà. Tu m'as pas vu. Par contre, tu vas couper l'eau, ça c'est sûr. Couper l'eau, c'est la base. Par contre, je pense pas que tu vas récupérer le petit truc. Non. Non! Jamais! C'est pour moi. Et voilà, c'est fini. Et maintenant, on se barre. Marre de tous ces gens. C'est bon? Faire tomber un seau sur la tête de l'homme costaud. Il y a un homme costaud maintenant? Attends, je prends mon petit bateau. Alors, il faut faire tomber le seau. Comment qu'on va faire? Il est où l'homme costaud? L'homme costaud, c'est l'homme qui est là, qui va arriver par ici, j'imagine. C'est pour ça. Allez, viens, viens chercher ton truc. Hop, on va cacher un peu ses affaires. C'est vous, monsieur costaud? Non, mais... L'homme costaud, c'est le pépé. C'est pas le... Ouais, c'est le pépé du début, là. C'est un homme costaud, lui? Comment je vais remplir le... Comment je fais pour remplir le seau? Je suis censé faire remplir le seau? C'est pour la blague? Je fais comment? Ou je fonce comme ça, comme dans un tas? Parce que je sais qu'il peut aller jusqu'ici, mais je sais pas s'il va jusque-là, hein, vraiment. Bon, allez, on va le tenter. On va prendre un couteau et on va le tenter. Non, cette fois-ci, on y va à la fourche. Non, mais alors, par contre, non, je suis pas d'accord. Pas maintenant. Pas maintenant. Voilà. Oui, bah va chercher ton signalier. De toute façon, on a compris avec vous, hein. Vous avez du mal, hein. Nous, on essaye d'être sympa. On se balade avec des fourches et des couteaux. On va lui faire peur. Et on va voir ce qu'il nous dit. Ouais, tu vas faire quoi? Viens, 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 viens. Ouh là là, il va trop vite. Ouh là là, il va trop vite. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, il va trop vite. Je me fais avoir. Il va super vite. Regardez bien ce qu'il fait. Il faut lui enlever ses chaussures. Voilà, tu vas faire quoi là? Je suis dans le. Je suis safe. Assassin's Creed, tu connais? Regarde, je suis safe. Hop. Allez, viens, Pépé. Oh, il y a Mémé en plus. Oh là là. Bon, attendez. Je me recache.
Y a mes mecs qui ramènent la... Elle ramène toute ma table! Je suis choqué. Comment je vais faire pour lui mettre ça au niveau du... Allez, hop. Viens! Viens! Allez, viens, viens, viens te taper! T'es pas cap, t'es pas cap! T'es pas cap! T'es pas cap de toute façon, viens, viens! Regarde, je suis là! Allez, hop! Passe de l'autre côté! Oui, c'est ça, exactement. Va chercher le signe anti-wa. On va te démonter la tête, nous. Ah, mais il est même pas venu. Oh là là. J'y étais presque. Attends, 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 mémé. 2 minutes. J'essaye juste d'avoir pépé. Salut. Attends, attends, attends. Hop, il est venu côté. Ah non! Il va me pousser vers la sortie. Non! Je suis caché maintenant. Là, je suis bloqué. Oh non, je me suis sauve-bloc. Oh non! Mon Dieu! Il m'a bloqué! J'ai réussi à passer. Hein. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à passer. J'ai enlevé une partie de ses chaussures. Pas l'autre. Oui, bah tu peux te ramasser les chaussures, hein, t'inquiète. Hein. On est... Voilà, bon, salut. Bon, il faut que je pose un truc spécifiquement sur le truc de tomate. Et après que j'y aille. D'abord, il faut que je pose un truc que lui, il seul, il sait qui c'est là-bas. Donc, il faut que je fasse attention à la dame. C'est pas lui l'homme costaud. D'accord? Ah, on va prendre ça. Voilà. Hop, ni vu ni connu. Par contre, ça, il va savoir clairement que c'est pas ça doit pas être ici, hein, je pense. Et voilà. Donc là, je mets ça dedans. Mais dedans. Voilà. En fait, c'est une histoire de. Ouais, c'est ça. Il y a les tomates là-bas, donc c'est clairement lui. Du coup, il faudrait que j'embarque une tomate, que je lui montre. Regarde, j'ai embarqué une tomate. Et que je déplace la tomate au fur et à mesure dans les sacs à tomates. Dans les trucs à tomates plutôt. Sacs à tomates. Alors attendez, hop, ni vu ni connu. Youp. Regarde Pépé. Il va super vite, hein. Allez, viens, allez, viens. Oh, il y a mémé qui arrive. Oh là là. Elle va avoir ma supercherie. On va essayer de récupérer le truc ni vu ni connu. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Elle va remarquer. Elle va remarquer qu'il y a un problème. Hein. Il y a tout qui se part. Il n'y a rien qui reste. Ah, j'ai galéré. Bon, dans 3 minutes, je suis censé partir. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je vais pas y arriver. Elle m'a fait gaulerie. C'était n'importe quoi ce qui se faisait. Bon, alors. Du coup, j'ai ramené une tomate, mais pour rien. Le pépé, il a même pas suivi. Oh. Hey, pépé. Ah, viens me chercher. Tu vas faire quoi? Oui, c'est bon. Il arrive. Ah, la vitesse. Ah, la vitesse. La vitesse. Allez, pépé, viens. Viens. Viens, je suis là. Allez, allez dans le sens. Est-ce que je vais... Oui, non, peut-être. Oui. Non, il est sorti. J'ai l'impression que je vais me faire avoir. Oh là là, pourquoi ils sont montés? Je sais pas comment faire. On va le chercher. Vas-y, vas-y, viens, viens, viens. Mais toi, casse-toi, toi. Qui s'est fait là? Elle m'a tué. Ouais, j'ai cassé ta maison.
Allez hop, c'est vrai, je l'ai. On va y arriver. Si j'y arrive. Si j'y arrive comme ça, c'est magnifique. Et voilà, ramener. C'est plus interdit maintenant. Je sais pas si je peux monter. Hein. Ouais, si c'est. Hop, voilà. Donc, Pépé, il sait. Oh, mais elle va, elle est toujours en train d'aller chercher ma bouffe là. Mais il n'y a plus rien là-bas. Pourquoi il vient prendre mon truc? C'était mon piège. Mince. Elle m'a repéré. Bon, il reste 2 minutes. Je crois qu'on va pas réussir à faire la dernière hein, pour l'instant. Il reste même pas 2 minutes, il reste 20 secondes. Est-ce que Nibbler, t'as des retours ou pas? Est-ce que c'est le pile l'heure ou pas? Non mais, c'est pas possible. Oh là là, ça y est, je me suis... Oh! T'as pas de retour sur les horaires. Vraiment. C'est genre, il n'y a pas d'horaire. On se barre et on vient quand on veut. Je suis là, hein. Ah, ils sont tous à l'intérieur. Allez, viens. Viens. On a proposé 18h, ok. Bon, on va voir, hein. Du coup, Non, mais Pépé, par contre, fais un effort, s'il te plaît. Je veux pas que Mémé arrive. Ok, du coup, je vais arrêter. Ah, il est 49. Je croyais qu'il était 18h, déjà. Moi, je réponds, je serai là à 18h. Voilà, je mets à l'amende ce pépé et. Voilà, maintenant je vais me cacher ici. Elle a pas ramené mon piège, la mémé. Salut? Allez pépé, allez pépé, allez, allez pépé. Mais purée, comment il a pu? Pourquoi? Pépé ici, ici, je suis là. Je suis un beau, un bel oiseau. Ok. Mais il me suit trop. Reste là. Prends le truc. J'arrive. Attends-moi. Mais non! Voilà. Mais purée, il monte. Failli. Ça aurait été beau. On était à 2 doigts d'y réussir. Mais en fait, je peux pas ouvrir la porte là, hein, je crois. Hein. Je vais réessayer, mais je peux pas ouvrir cette porte. Hein. Et si le pépé, c'était le pépé? Mémé. Mais arrête de me bloquer, wesh. Tu t'es cru chez Mémé d'ailleurs. Ah, save. Mission impossible. Ouais, en fait, il y a un truc qui est. C'est compliqué en fait de l'attirer là-bas. Après, je peux comprendre que c'est sans doute avec les tomates. Mais le problème, c'est que je sais pas exactement comment faire. Alors, je veux voir si Mémé, elle remet exactement le seau au même endroit. Alors, hop, piquage de tomates. Non, je veux pas. Ah, il va voir le saut. Bah, va voir le saut, hein, écoute. Abandonne ton. Non, mais va voir le saut. Tu te rappelles qu'il y avait un saut?
Bah, je veux bien hein, que tu ailles voir le sceau. Si le sceau est déjà remis, je suis content. Mémé, t'as remis le sceau ou pas? Elle l'a remis. Elle a remis. Allez, hop. On va s'en faire. Bip, 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 bip. Mais en fait, le truc, c'est que d'ici, je vois pas trop comment je peux faire. Il y avait tellement de moyens plus simples que ce que j'ai fait. Le passage de la tête. Ah là là, c'était tellement pas subtil ce que j'ai fait. Waouh, choqué. Bon, allez, du coup, ça va être le poivre qu'on va ramener là-bas. Parce que apparemment, le jeu de trucs là, il a pas l'air d'être trop accepté par les petits vieux. Allez hop. La porte est ouverte, la porte est ouverte. Non! Alors, je vois, j'ai un peu du mal à savoir comment faire en sorte qu'ils me suivent, hein, par contre. Parce que uniquement lui, hein. Parce que je peux le bomboclate tout seul, mais le truc c'est que genre j'ai un peu du mal à saisir. Tout le monde est super au taquet, hein, franchement. Bon, on a encore quelques minutes. Bon, salut! Allez, viens, 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 jusqu'où, 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 jusqu'où? Allez! Allez! Ah, je suis là. Non, mais tu peux m'avoir, hein. Regarde, je suis ici. Tu peux passer par là. Regarde. Ah, mais il me voit trop, en fait. Comment tu veux que d'ici. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Elle est occupée. Allez, prends le poivre. Prends le poivre. Prends le poivre. Le poivre, il est ici. Prends le poivre. Mais il l'a déjà pris. Mon Dieu, il l'a déjà pris. On va devoir lui piquer en scred et se barrer avec. C'est pas comme si on l'avait fait 15 fois. J'ai l'impression que c'est une histoire d'amour. Hein. On va piquer le poivre, hop. Tu sais où est le pain? Tu sais où il est? Il est là. Allez, 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 allez. On va la voir, on va la voir. Dans les 5 minutes qui nous restent, on va la voir. Allez, 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 le poivre, le poivre, le poivre, le poivre, le poivre. Allez, le poivre. Trouve le poivre. Je suis choqué de peu. Ah mon Dieu! C'est pas fini. C'est pas fini. De peu. Non, mais si tu veux, hein. Pourquoi il s'est placé sur le côté? Sérieusement. Qui lui a dit de se placer sur le côté? Personne. En plus, il faut que je leur ramène le truc parce que sinon il repart pas. Le poivre, il est revenu en haut. Ah là là. Bon, allez. On va chercher le poivre. Il nous reste 3 minutes. En 3 minutes, est-ce que c'est faisable? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on va y arriver. Ah, c'est possible. En 3 minutes, c'est faisable. Y a personne qui l'a vu autre que le vieux. Si, si. Il est de l'autre côté, hein. Qu'est-ce que je te dise? Oh. On est dans le même setup. Le setup de la mort. Le setup qui tue. Le setup efficace. Mais ça va être tendu. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Je suis bloqué, c'est bien.
Non! Il n'a pas vu le poivre! Il n'a pas vu le poivre! Je suis un peu trop à donf. Hein. Oui, il reste 2 minutes, ça va être tendu. Hein. 1 minute 15 même. Mais Pépé, je suis là! Arrête de chercher midi à 14. Oh, ça, je veux bien. Je veux bien la serviette. Tu restes ici, ça me dérange pas. Wow, 1 minute. T'auras jamais la serviette. Jamais. 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 Jamais t'auras la serviette. Jamais. Regarde. Elle est même là. Tu vas faire quoi? Allez hop. Et toi, tu m'embêtes toi aussi. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu te balades? Alors que c'était mieux quand on pouvait se cacher à l'intérieur. C'était rigolo. Mais comment ça se fait que elle bouge? Tout le monde bouge là. Bon, il reste 2 secondes. C'est fini. Bon, on aura essayé. Ah, il va chercher. Non, il va vraiment chercher tout seul. Mais c'est trop bien. Attendez. Il y a peut-être moyen de le faire en speedrun. Vite, 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 vite. Non! Bon, c'est fini. On aura essayé. Bon, voilà, c'était la fin de Chipstream et la galère sur Survivaliste et qu'on ne meurt 15 fois. Et ensuite, Untouchable Girls, où c'était marrant jusqu'au moment où le petit vieux il voulait plus. Voilà. Il y a eu quoi d'autre aussi? Bon, alors mardi, Last of Us avec Petit Cancanou. Vous pouvez voir son petit lien dans le chat. Jeudi. On recommence les chronologies des femmes artistes. On arrive au 22. Fin de semaine, c'est pas mal. Donc du coup, là, on en a pas mal en plus en ce moment. Venez, 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 si vous avez envie de venir. Autre chose. Vendredi, toujours. On se retrouve aussi chez Histoire Crépue. Entre-temps, il peut y avoir d'autres trucs, mais bon, on sera là dans le coin. Et oui, jeudi, il y a Maudit, si vous voulez aller voir de la sociologie sur le FN. Si ça vous intéresse de voir pourquoi, comment et qui vote pour la FN, c'est intéressant. C'est à suivre. Je suis là dans le chat en regardant en général. Le vendredi, j'ai dit jeudi, mais c'est vendredi, je crois. Et du coup, oui, 21h pour le. Ah, 21 du coup. Mais attends, j'ai mis 21 la dernière fois. Non, si, oui, je me suis trompé sur le 21, donc oui, c'est le 20. Exact. Merci Nibbler. Et du coup, on enchaîne ensuite sur dimanche prochain, la suite de Survivalist, si on continue, parce que bon, je me pose toujours la question si c'est vachement intéressant de jouer à ce jeu. Voilà. Autre chose, peut-être il y aura sans doute du Untotal Goose, étonnamment, si ça vous étonne. Voilà. Et je sais pas quoi dire de plus. Oui, ah si, oui, il y a le replay qui a commencé enfin sur YouTube de Jet Set Radio. Sur le YouTube. Le Twitter mis à jour pour jeudi, pendant le chronologie des femmes artistes. Voilà. Quoi d'autre? Pas grand-chose. Ah si, si vous voulez soutenir, parce qu'en fait, ça j'oublie aussi. Je sais plus comment on écrit. Bon, bref. Voilà. Il y a une commande exprès pour ça qui est écrite dans le bio. Dans l'accueil ou la bio. Voilà. Donc je vous fais des bisous et faites des retours si vous aimez bien la transition. Des bisous, des bisous. Voilà, la transition, non, du coup. À plus.